Salut les petits, une nouvelle vidéo avec Lolo de SportMed à la garde. Je rappelle le site internet parce qu'on ne l'a pas dit, www.sportmed.com. Freux. Ah, sportmed.fr. C'est ça. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas et vous pouvez contacter Laurent aussi par Facebook pour lui poser des questions. Il vous répondra. C'est un très bon commerçant. On va présenter deux fusils, puisque vous m'avez, lors du petit sondage là sur YouTube, vous m'avez demandé de vous parler des fusils tropicaux. Donc on présentera un Robalen 130, vraiment fusil réservé à la partie tropicale, et grand fusil, grand agachon. Et MVD, un nouveau fusil que sort Laurent, et puis on va lui laisser le présenter. Alors, en fait, on est distributeur MVD, donc c'est une marque grecque. Ah, c'est fabriqué en Grèce ? Fabriqué en Grèce. Ah, d'accord. Alors pour le coup, effectivement, cette année, on a beaucoup de produits grecs, Pathos, Méandros, MVD. Ils ont de plus en plus de poissons profonds et difficiles à attraper, donc exactement. Ils augmentent en technologie de façon très importante, voilà. Les Grecs. Hein. Et là, pour le coup, donc le Predator Zezo avec du coup Manolis, Valis et Angelo Russello sur la section Italie, ils ont développé une nouvelle tête et du coup le Predator Zezo Ram. Donc Ram, en fait, c'est bélier hein, en anglais. En gros, c'est un système de tête inversé avec stopper. C'est-à-dire que aujourd'hui sur la nouvelle tête, il y a un stopper intégré. J'ai peut-être l'autre version qui n'est pas celle-là, qui est juste là. Ah oui, oui, là, tu n'avais pas de stopper. Ouais. Ou là, sur celle-là, en fait, ça, c'est la tête inversée classique G3, où en fait, il n'y avait pas de stopper dans l'axe, et on était sur un système, alors à comparer sur les produits, quelques produits italiens du moment, c'est de la version démo, si on compare à certaines marques italiennes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est sur un 55, pour l'instant, il y a eu pas mal d'essais. On est sur une arbalète qui tire à un bon 1,50 m avec une bonne patate. Donc l'équivalent d'un bon 90 quoi. Ouais, ou d'un 80, 75 un peu péchu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc de série en fait, donc là on est sur une arbalète équipée montée qui vaut 200 euros. Hein. Le 55, on est sur une entrée de tarif et après ça frise les 300 sur les autres tailles. Ça va jusqu'au 110. Donc tube alu avec un guidage intégral. Le système de tête avec le roller inversé là qui est plutôt sympa. Un système de retour avec les poulies pour la version démultipliée. Le petit moulinet avec son fil. Les nouvelles cross Predator du coup avec le système de caméra. Le support de caméra génial, intégré hein. Qui s'enlève hein, pour les fans de la caméra sur la tête. je vois pas de qui parle. Un mécanisme inox, donc les mécanismes Predator. Et plutôt bien pensé avec un système de sécurité où pour le coup on peut pas merder. Ça c'est peut-être au moins. Hein voilà. on peut pas se couper. Et surtout vous pouvez le virer. Ouais. Voilà, donc le principe en fait c'est assez simple à l'armement. En fait on va commencer par armer justement sa prétention. Donc en fait là où on est sur le stopper, on va armer. Et une fois qu'on a ces poulies inversées qui vont partir sur le haut, on va réarmer après dessous l'arbalète. Alors je vais pas la mettre en. Non, on est en terre, on peut pas. Donc, et voilà. Donc les deux autres. Les deux autres boulins seraient dessous un crochet ici comme ça. Voilà. D'accord. Un crochet qui fait un petit peu penser effectivement au crochet Que l'on a sur les cigales sub. Très sympa aussi, une bonne crosse. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Alors vous allez le voir en réel puisque Laurent a la gentillesse de nous en prêter un pour tester. Exactement. On va vous rajouter quelques tests en live et vous allez pouvoir voir un peu ce que ça fait. Donc Laurent nous a prêté un Zezo Predator de MDV 55 cm. D'habitude un 55 c'est un fusil qui est réservé uniquement à la pêche à trous. Car il n'a absolument aucune puissance avec une portée de tir maximum de 50 cm. Là, je me place à l'agachon derrière une pierre, une sope là-bas inintéressante. J'appelle le poisson. Sur ma droite va arriver un banc de mulets.
Il y en a un joli à l'intérieur du banc. Je le choisis, tire. Je suis à peu près à 1 m, 1 m 50 du poisson et il est sur le fil. À l'agachon, un 55. LVD 0. Alors, Zezo, Zezo. Ça, c'est le nom bizarre. Zezo. Predator Zezo. Efficace. Bien fortué. Pas mal.